Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui l'unboxing du samedi. Alors j'espère que vous avez eu la vidéo samedi et pas dimanche, mais bon. Parce que là, à l'heure où je vous fais la vidéo, il est déjà 16h. 16h, 16h30, donc bon, on verra bien. Comme j'ai eu de la visite, je ne pouvais pas faire de vidéo. Aujourd'hui, unboxing donc avec la boutique Colorful DIY. Voilà, ça fait 3-4 fois je crois que je fais avec eux un partenariat. Et aujourd'hui, c'est du DP et c'est de la broderie. Voilà. Donc, alors, ça fait déjà un petit moment que j'ai reçu le colis. Et j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo avant. Alors, j'avais fait le choix de mes broderies le 29 novembre, mais je ne les avais reçues que le 28 décembre. Voilà, donc ça a mis un peu plus longtemps que d'habitude. Bon, c'était en plein moment aussi des fêtes, les colis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colis en décembre. Donc, c'est peut-être ça qui a eu un peu de retard. Sinon, toujours nickel comme d'habitude. Alors, je vais commencer par vous montrer. Alors, il y a deux DP, il y a deux broderies. Bah, écoutez, je vais commencer par vous montrer les DP. Voilà. À tout de suite. Voilà, premier DP. Alors, ce sont des DP. Les deux font la même taille. Ce sont des 30-40. On va regarder après la taille réelle du dessin. Ce sont des perles rondes. Voilà le petit toolkit hein, que l'on a comme d'habitude. Les perles, on les a en sachet zippé. Et le DP. Bah, exceptionnellement, je vous montre le DP tout de suite puisque là, vous en voyez déjà un bout. Alors, il y a 20 couleurs. Donc, vous retrouvez la référence du DP ici. Et je pense que... Alors, oui. Vous... Alors, attendez. Hop, je vous zoome. Vous voyez, vous retrouvez la référence également sur les sachets. Donc, vous pourrez ranger séparément, si vous le souhaitez, votre toile et vos perles. Je sais que certaines d'entre vous le font. Alors, je vais déjà bien remettre ça. Hop, voilà. Pour éviter les plis et puis ce sera plus visible pour vous. Voilà. Alors, on a une jolie petite fille avec de grands yeux. Voilà, toute mignonne. Alors, il y a 20 couleurs. Excusez-moi, j'ai coupé, je me suis trompée de bouton et du coup, j'avais coupé la vidéo. Alors, il y a 20 couleurs. Voilà les symboles que l'on a. Ce sont des lettres majuscules. La première colonne, le numéro de la couleur. Les références DMC pour la troisième couleur. Alors, on a... Est-ce qu'on a... Mais là, ce sont des couleurs plutôt pastelles. Non, on n'a pas les couleurs que l'on a l'habitude, c'est-à-dire 310, 939, 5200. Niveau impression, hop, ça floute, voilà. Et niveau colle, ça colle. Hein. Vous voyez, c'est très très bien imprimé. Hop, on a fait le plastique. Vous voyez, c'est vraiment top. Hein, des jolis yeux qu'elle a. Oh, ça doit être beau, ça. Alors, j'ai mal remis mon plastique. Bien sûr, j'ai voulu aller vite. Donc, voilà pour la toile. Et maintenant, les perles. Allez.
Bon, c'est des belles couleurs, hein. Les perles sont bien propres. Je veux dire, il n'y a pas de défaut. Jolie rose. Un autre rose. Là, c'est un marron foncé. Un joli vert. Un gros paquet de rose clair. C'est un peu plus rose que ce que vous voyez, hein. Un bleu roi. Vert. Et le dernier, un joli violet. Voilà. Donc cette petite, ce petit diamond painting. Bah alors, je vais y arriver. J'arrive. Oh, j'ai des gros doigts aujourd'hui. il est au prix de 4,99 $. Allez, je vous montre le deuxième. Alors, le deuxième DP. Alors, c'est la même série, hein, dans ces DP. Donc, c'est toujours perle ronde. 30-40. Alors, le petit toolkit, hein, comme d'habitude. Les perles en sachet zippé. Et le DP. Alors, ces petites images me font penser un peu à des poulbots. Voilà. Dans le, avant, on voyait beaucoup des poulbots. Je sais que moi, j'en avais fait en canevas quand j'étais jeune. C'était la mode, hein, des poulbots au canevas. Hop, voilà. Et ces petits personnages me font penser un peu à ça, un petit peu aux poulbots. Je sais pas vous, mais... Voilà, 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 voilà. Hop. Voilà, ici. Donc, c'est toujours une petite fille. Hein. On dirait un petit garçon. Enfin, c'est une petite fille. Avec son nounours. En pyjama. Voilà. Toute mignonne, avec les grands yeux, comme ça. C'est beau. Alors, pareil, niveau impression, ben, il y a 20 couleurs aussi. Et niveau impression, ben, il n'y a pas de soucis. Hop. Les impressions en blanc sont bien visibles. Les impressions en noir également. Et... Il n'y a pas de zone confetti. Donc, c'est des petits DP qui vont bien à faire. Allez, oh, j'arrive pas à faire des plis. Donc, voilà. Donc, 30-40. Pareil, vous avez la référence ici que vous retrouvez sur vos sachets de perles. Alors, les perles. Bon. Voilà, vous ne trouvez pas le bout. Voici pour les perles. De belles couleurs encore. Allez. Ah, il veut pas. Voilà.
Ah, là, on a du noir. Un joli rouge. Et un gros paquet, voilà, pour faire le fond. Donc voilà. Alors, pour cette broderie, pareil, en 30-40, elle est également à 4,99 $. Voilà. Voilà, je vous ai présenté. Alors, en fin de compte, je vais vous faire cette unboxing en deux vidéos. Je vais vous présenter aujourd'hui, du coup, les Diamond Painting. Et la vidéo juste après, ce sera pour les broderies. Je profite pour remercier beaucoup la boutique Colorful DIY pour leur générosité et de me laisser toujours le choix des articles. Voilà. Je vous fais tout de suite une deuxième vidéo pour vous présenter les broderies. Comme ça, si vous n'aimez pas le DP, ben vous regardez la vidéo de broderie. Si vous n'aimez pas la broderie, vous regardez la vidéo Diamond Painting. Voilà. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et pour la suite de cette unboxing.